Salut tout le monde, c'est Pierre Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre aventure sur Assassin's Creed Unity. Toujours en compagnie de Arnaud Dorian, donc c'est parti. Enfin, je vais l'appeler Arnaud maintenant. Donc, on va se rendre, les amis, dans la prochaine mission, si vous le voulez bien. Haute société. Hop. Alors j'espère que l'épisode vous a plu, parce qu'en fait l'épisode 2 je le tourne quand l'épisode 1 vient juste de s'upload, donc j'ai pas eu vos retours. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux prendre un petit peu d'avance. Alors, ouh, on est encore loin. Bon, espérons que dans cet épisode, les amis, on va avoir notre tenue d'assassin. Je ne pense pas, vu que la tenue d'assassin, c'est quand même long à l'avoir. Je pense pas, mais on verra bien. On verra bien, faut pas être pessimiste. Mais j'aimerais bien l'avoir dans cet épisode. On est presque arrivé. Alors ce que j'aurais dû faire, franchement les amis, c'était comme dans le 4, j'aurais dû vous emmener à destination en fait, direct. Comme je faisais dans le 4. Enfin la prochaine fois j'y penserai. Enfin j'espère. Haute société. Monsieur sera de retour. Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors j'attendrai ici. Rejoindre le bureau de Monsieur de la Serre. Ok. Alors là, il y a un coffre, les amis. On va s'empresser de le récupérer. Enfin, est-ce que on peut le récupérer? Je pense pas. Ah non, on peut pas. Dommage. Dommage, je crois qu'on l'avait déjà vu ce coffre, mais on peut pas. Bon, c'est pas grave. Alors ici, normalement, je dois utiliser ma vision d'aigle, mais je vois pas ce qu'il y a. Chercher. Ah, peut-être ça. Le traité du monde et de la lumière de Deka. J'ai jamais réussi à en venir à bout. Si je la glisse sous la porte, il la trouvera dès son retour. Ok. Laissez la lettre. Voilà. Remise en main propre. Et presque en temps. Et maintenant, cap sur le palais.
Maximilien Robespierre. Venu seul. Arnaud. Le chevalier du Ténèbre. Invitation, s'il vous plaît. Bon, oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant. Charles-Gabriel Siver. Deux invités. Suivant, je vous prie. Bien. Alors poursuivons, on entre en effraction. Hein. Vous infiltrez dans le palais. Mission en cours. Ok. Je dois m'infiltrer dans le palais. Nickel. On passe. Alors notre tenue, une nouvelle tenue, elle est sympa. Mais sans plus, j'ai envie de vous dire. Ok. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Voilà. Allez, on monte. Non, merde. C'est pas ça, voyons. Voilà. Trouver Elise. Oh. Oh, merde. Ok, il y a des gardes. C'est pas grave, je me suis entraîné de toute façon. Ça devrait aller. Oh merde, mais quel con. Non, il me remet ici. Ouais, c'est vrai, j'ai plus mon arme. Ah bah si pourtant. Oh c'est vrai, ils m'embêtent ici, ils sont gentils. Comment vais-je faire? Voilà. Il est là le moment. En gros là c'est séquence infiltration les amis. Mais bon, ça va. Avec les heures de jeu que j'ai fait dans Assassin's Creed, les séquences d'infiltration sont pas horribles en fait. Ils sont pas aussi horribles que dans Watch Dogs. Franchement. Je suis même assez étonné. Parce que je pensais que ça allait être complètement de la merde, les séquences d'infiltration. Franchement. C'est même pour ça que je me suis dit, oh là là, je vais peut-être pas aimer Assassin's Creed avec son infiltration. Mais finalement, non, l'infiltration est pas... Bah déjà, elle est pas omniprésente. Même s'il faut plus faire de l'infiltration que dans le 4. Mais ça va, elle est quand même bien foutue non plus. Elle est quand même bien foutue quand même, l'infiltration. Alors lui, par contre, toi mon ami, tu as un problème. Voilà, il faut aller par là. Ouh, c'est bon. L'enfoiré. Alors, Elise normalement est ici. Me semble. Ah non merde, bah déjà je suis plus dans le cadre vert, super. Génial. Bien joué. Alors, Elise. Où es-tu?
Voilà, le 2 est ici, Elise. Voilà, on a trouvé Elise. Maintenant, il ne reste plus qu'à la suivre. Alors. On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui détention. Hey, tu portes une des tenues de mon père? Et toi, tu portes une robe? Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être con. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégant. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonie énormément. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en sait. J'ai essayé, mais le père s'y est opposé. Ton père? Ouvrez. Va-t'en, je vais te distraire. Quoi? Tu me jettes dehors? C'est compliqué, je t'explique. Ne traîne pas par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pomme. Cesse donc de faire enfant. Je suis certaine qu'il n'aura pas son garde. Ah là là, super le couple. Ouais bah ouais, descendre. Voilà. Éviter toute situation de conflit. Bon bah ça je pense pas que je vais y arriver. Enfin, j'ai plutôt un sérieux doute. Bon, on va essayer de le réussir. Hein. Allez, salut. Franchement, qui est vrai que les gens ici. Allez vite. Voilà. Là, à vrai dire, là, les amis, là, je me concentre. Yes. Monsieur de la Serre. Steven, il faut partir. Garde! À l'aide! On part! Mon Dieu, on a tué le seigneur de la Serre. Bon, voilà, j'aurais réussi le défi, moi. Ça, c'est cool.
Et on a eu un trophée jeunesse versaillaise. Et en tout cas, monsieur de la Serre est mort. Super. Et maintenant, je comprends pourquoi Arnaud a si mauvaise réputation. Enfin, que c'est traité comme un voleur. Voilà. C'est à cause de ces gens comme lui là qui appellent au meurtre et ils accusent Arnaud quoi, à chaque fois. Je trouve ça dégueulasse quand même. Hein. Bon, il y a eu temps de chargement hyper long. Hein. Ça, je vous ai prévenu. De toute façon, Assassin's Creed 4, c'était toujours aussi long. Mais bon, Assassin's Creed Unity, c'est quand même plus long que Assassin's Creed 4. Ça, c'est le gros problème d'Ubisoft. Ok, alors on a vu un mec à poil, chelou, et nous nous retrouvons en tôle, avec une tenue qui nous est familière, parce qu'elle ressemble fort à quand Edward était en prison. C'est vrai qu'elle ressemble quand même vachement fort. Alors, que dois-je faire? Bah regardez, je pense. On va pas essayer de s'enfuir. Alors lui, il va morfler. Tiens, tiens, bouffe. Tiens.
Tiens. Meurs. Oh ouais. Oh. Esquive, bim. Chance. Il est mort à Versailles. Une année déjà, 76, 77. En décembre, si je me souviens bien, il bat des mains. Comment sais-tu? Mon père était un assassin. Il s'est battu toute sa vie afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la contrée. Je suis persuadé que ta petite sœur est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Elise. Et comment tu comptes y prendre depuis cette série? Deux mois plus tard. Bien, je suis sûr que c'est pour mettre un couvert. Tu les gardes. Waouh. Ah, tiens. Meurs toi, meurs. Bien joué, mec. À fond, il est temps. Il est temps de se barrer de cette tôle. Je comprends pas pourquoi il m'appelle merdeux, mais bon. Si c'est son kiff. Et voilà. Ouais, t'inquiète, je sais comment me soigner. Ah. Oh.
Tiens, bouffe. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Meurs. Eh oh, attends. Dérobage, bombe fumigène. Fuir la Bastille. Ah ouais, on est dans la prison de la Bastille. Parade parfaite. J'en ai fait qu'un. Bon, lui, il s'est fait défoncer. Waouh. Tiens, tiens. Mais non, mais dégage toi! C'est pas grave ça. Merde, par contre lui il se fait gérer. Et voilà. C'est pas grave, hein, les missions annexes, je vous l'ai dit, on s'en fout. Hein. Le plus important, c'est le principal. Tant mieux que tu te rends alors. Lui au moins il est pas con. Et attention, saut de la foi. Ubisoft présente Assassin's Creed Unity. Bon, ça ce n'était que l'entracte. J'ai envie de vous dire, les amis. Ça fait déjà 28 minutes qu'on tourne, on va faire une dernière mission, hein. Et je pense que là on arrivera dans les 30, dans les 30-40 minutes. Ah là là, je déteste ces temps de chargement quand même, les amis. C'est vachement long. Assassin ou un templier. Toi, ça te surprend?
que je suis de la même loi que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non. Sur mon âme, je jure que je n'ai pas. Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Grand maître de la Seine, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider. Elle. Je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père. Caché. Je ne savais pas. Mon père non. Comment aurais-je pu savoir? Attends. Je t'en prie. Oula, ça commence à devenir de plus en plus intéressant, les amis. Donc nous, on a un assassin, hein. Ça on le sait, mais Elise est un templier. Ah ouais, ah ça je savais pas. Ah d'accord, Elise est un templier. Ok. Bon, en fait, c'est pour ça que le père d'Elise nous déteste, en fait. Parce qu'on a un assassin, je pense. Cité, quartier. Encore du chargement. La vision d'aigle. Paris maintenant ouvert. Vous pouvez explorer la ville ou jouer la mission solo suivante afin de poursuivre l'histoire d'Arnaud. Il y a un coffre ici apparemment. Dans deux, ça fait combien de temps les amis? 33 minutes? Bon allez, on va la faire. Même si on est au-delà des 40 minutes, on va la faire. Sauf c'est que là, il y a un coffre. Ah, il est là le coffre. On le récup, non? Ouais, nickel. €350, pas mal. Donc la suite, je vous prie. La suite, elle est... Où est la suite? Elle est là. Par chance, elle est pas hyper loin. C'est vrai que ça, par chance, elle est pas super loin, donc tant mieux. Oula. Ah ok, faut que j'entre dans la baraque. Ouh, il y a beaucoup de monde en cette matinée à Paris. Ah, fait chier. Poussez-vous, dégagez.
Y a pas une fenêtre d'ouverte. Ah non, c'est après, d'accord. C'est pas dans la baraque en fait, c'est un petit peu après. Voilà, c'est par là plutôt. Oh là là, ouh là là, ouh là là, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais de ce joli fail. Ah, super. Il va m'en remettre où? Je pense qu'il va me remettre là où il y avait le coffre. Ah non, ça va, il m'a pas mis hyper loin, tant mieux. Ok, on va faire cette mission. Et après, ce sera là, les amis. Ça fait 36 minutes qu'on tourne. Bon, bah, je pense que cet épisode va être plus long que 40 minutes. Ça m'étonnerait qu'on arrive à terminer la mission en 4 minutes. Explorer la Sainte-Chapelle. Ok. Ouais, ça va pas être aussi facile. Ça m'aurait étonné, sinon. Genre, par la porte d'entrée, bonjour. Tu passes, tranquille. Ah, voilà. C'est par là, plutôt. Waouh, stylé. Je vois qu'il y a un coffre, ici. Ouais, bon bah je sais pas où est ce coffre. Y'a quoi à explorer? On va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Je pense que ça pourrait être bien de prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi il répète cette phrase? Son polo. Je peux pas m'accrocher au lustre? Bah si je peux. Et ce médaillon, je suis censé en faire quoi? Ouais, c'est vrai que ça c'est une belle question. Je pense que ce médaillon doit ouvrir un truc. Mais quoi? Alors là, franchement, là, les amis, j'en sais rien du tout. Ouais. Je parie que ce médaillon doit jouer un rôle. Oula, je vais faire un fail. Ah, mais le problème, y'a rien, moi je vois. Moi je vois qu'y'a rien, je suis désolé, y'a rien. Que dalle. Peut-être le rayon quoi? Peut-être au-dessus là, moi je dis. Enfin, je pense. Ah non, ça fait rien. Ah voilà, c'est ça.
Et du coup, maintenant, je suis censé faire quoi? Ah, d'accord, faut que je vais ici. En fait, j'ai brûlé une étape. Allez, Arnaud. Voilà. Un truc qui s'est actionné là, c'était quoi? Ah ok, lui, tout au-dessus le coffre. C'est what the fuck quand même. Oh là là, j'aime pas, sérieux, j'aime pas, c'est chiant. C'est encore plus lourd que l'infiltration, ça, en fait. Peut-être le rayon solaire. Le rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il fait, le rayon de soleil? Oh là là, mais je comprends rien à ce qu'il faut faire. Je comprends strictement rien. C'est nul, franchement, c'est nul. Bah, je sais pas ce qu'elle doit illuminer. Peut-être que je peux bouger le machin là. Oula, il y a des lags. C'est vrai que c'est étonnant, c'est que dans ce jeu là, il y a plein de lags quand même. Je pense que vous devez le remarquer. Je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a plein de lags dans ce jeu quand même. Ouais, il y a beaucoup de lag. Hein. Et ce médaillon, je suis censé en faire quoi? Ah voilà. En fait, j'ai du temps. J'ai du temps, en fait. Putain, allez Arnaud. Ah voilà. Voilà, j'ai pas bien compris en fait, j'ai du temps. C'était du temps en fait. On aura réussi au moins les amis. Ça fait 45 minutes, en gros j'ai bloqué 5 minutes là-dessus. Bon, est-ce que la mémoire va bientôt se terminer? Parce que je voudrais pas faire un épisode d'une heure non plus. J'aurais peut-être pas dû faire cette séquence-là. Mais bon, c'est pas grave. T'as pris ton
l'installation du clocher. Ça peut trouver en français. Tu te moques de moi? Non, non, je pense vraiment très théâtral. Ferme-la. C'est ça. Faites approcher l'aspirant. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à vous. Bellec pensait que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement? J'en ai assez de fuir mes échecs. Monsieur de la Serre, mon père, je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre baisse ta conscience. Pourquoi? Est-ce toi qui tenais la lame? Quelle importance? J'emporte quand même ma faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui? Anna Kabale, Inauka Dilan, Alamoa Jati et Moaka, Seyakoku Shaita. Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle? Si c'est votre manière de demander si je veux des retraites. Alors, quoi? Boire. Wow. Alors, pour l'instant, c'est session d'escalade. Putain, espérons que l'épisode va pas faire une heure, là, non plus. Oula. Merde. J'ai rien compris au maniement de la glissade. Franchement, le maniement de la glissade, c'est vraiment de la merde. Bon.
que cette fois on va y arriver. Voilà. Je suis allé plus doucement là, carrément, comme ça. Non, père. Bon bah ça va être un épisode très long ce que vous allez voir aujourd'hui, les amis. J'espère que ça va vous plaire. Mais bon, j'aurais pas dû faire cette séquence. Je savais pas qu'elle allait être si longue, cette séquence. Mais bon, oula. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? What ? C'est quoi de ce troll ? C'est quoi ce bordel ? Je viens de crever carrément là. C'est débile. Ah, ok. Fallait dire avant ça, c'était même pas marqué. Genre, il te laisse en mode gros voleur quoi, c'est dingue ça. Il est là lui, d'accord. Et voilà, bim. Et voilà, renaissance, voilà, terminé. Donc maintenant il nous reste juste peut-être une cinématique à voir ou sinon il n'y en a pas. Donc voilà, ça aura fait un épisode d'une heure, 56 minutes. Si une cinématique s'offre une heure,
S'il n'y en a pas, ça fera 56 minutes. Ah ouais, la cinématique hyper longue. Ah merde, je m'attendais pas à ça comme cinématique. Ça va être hyper long. Bon, bah voilà, ça vous aura fait une heure. Non, désolé, j'aime pas franchement les vidéos d'une heure, mais bon. Et bon, désolé, je suis navré, la prochaine sera de 30 minutes, vous inquiétez pas. C'est juste que là, il y a un milliard de cinématiques. Cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide.
Très bien. Chargement de la séquence suivante. Voilà. Comme ça, les amis, on va pouvoir enfin se laisser ici. Bah, désolé, hein, une heure. Franchement, je suis pas très fan de ces vidéos d'une heure hein, que je vous fais des fois, mais bon. Paris, 4 janvier 1791. Mais, cette fois, on est enfin un assassin. Ouais, je m'en fous. Ah ouais, je sais, ça, je connais. Alors. Corps à corps, c'est quoi ça? Oh, ça, c'est pas très intéressant à porter. Non, bah ça c'est déjà plus intéressant des armes à distance. Et on va améliorer santé. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors, il y a des missions coop, je sais. Alors, les missions coop, est-ce que je les ferai? C'est bien possible. Mais en tout cas, regardez les amis, les tenues. J'aimerais trop, moi, c'est celle-là. Non, celle-là, je veux dire. La tenue d'Edward serait trop cool. Ou même celle-là, Connor, elle a franchement de la gueule. Mais bon, on n'y est pas encore. La tête a amélioré... la santé. Celle-là, elle est pas mal. Voilà. Arme, l'arme longue, tiens. On va prendre celle-là. Voilà. On va faire bien mal maintenant, les amis. Voilà, là, on commence à devenir badass. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Est-ce que je peux l'ouvrir? Assassin's Creed. Ah, je peux pas l'ouvrir. Putain, je peux pas l'ouvrir. J'espère que ça vous aura plu. Allez, merci d'avoir regardé. Et on se retrouvera pour l'épisode 3. Ciao tout le monde!